Alors, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 24 août. Avant de débuter, on va donner la parole à le conseiller numéro 5. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine-Montréal, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, par le respect des lois qui gouvernent et à prendre les décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-Montréal, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous pouvez le constater, on a tous des visières pour se protéger. En passant, il y a eu 5 nouveaux cas dans la MRC de Portneuf. Alors, continuons à se protéger, c'est bien important. Alors, on constate dans le droit de l'avis de convocation, alors tout le monde a reçu l'avis de convocation en rapport avec le procès verbal de cette réunion extraordinaire. Alors, l'ouverture de la séance est déjà faite. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. L'adjudication de contrat pour le projet SCA-20-03 concernant l'enrobé multimineux du 2020 rang Saint-Gérard. Le point 4, adjudication de contrat pour le projet SCA-20-04 concernant l'asphaltage de l'emprise des rues publiques. 5, l'adjudication de contrat pour le projet SCA-20-05 concernant l'aménagement du parc de Foix-la-Vallée. 6. Une période de questions. Bien entendu, ces questions portent exclusivement sur les points à l'ordre du jour. 7. La levée de l'Assemblée. Il y a fait proposition. M. Banquette, le monde est d'accord. Point jugé, on ne peut pas le faire de toute façon. Adjudication de contrat pour des travaux en enrobé multimineux concernant le rang Saint-Georges. Considérant que nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation pour des travaux d'enrobé multimineux dans le rang Saint-Georges, portant la référence SCA-20-03, considérant que l'une des entreprises invitées n'a pas reçu les addendums en rapport avec le projet et n'a pu déposer après cette soumission, il est donc proposé résolu que les membres du conseil demandent de recommencer le processus d'appel d'offres sur invitation afin que tout soit conforme à la loi. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Maintenant, l'adjudication de contrat pour des travaux d'asphaltage de l'emprise des rues publiques, considérant que nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation pour des travaux nommés en titre, concernant la référence SCA-20-04, considérant que l'addenda numéro 3 au projet déplaçait la date d'ouverture des soumissions au 27 août prochain, il est donc proposé et résolu que les membres du conseil accorderont le contrat lors d'une prochaine séance de conseil et suite à l'ouverture des dites soumissions. Monsieur Boilet, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour l'aménagement du parc de Foix-la-Vallée, considérant que la municipalité a mandaté la firme Haut Point par la résolution numéro 057-03-19 afin de réaliser l'aménagement du parc de Foix-la-Vallée, considérant que la municipalité a reçu des subventions afin de réaliser une partie du projet, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public et que 4 entreprises ont soumissionné sur le projet. Construction Côté et Fils, au montant de 809 424 et ça, tous les chiffres que je vais donner, c'est taxes comprises. L'évêque Construction, 868 700 Alain M&M Limité, 922 234,25 $. Et Construction d'Éric Incorporé, pour 20 062 510 $. Considérant que le projet de soumission reçue dépasse largement le budget alloué et disponible pour ce projet, il est proposé résolu que les membres du conseil reportent à une séance ultérieure l'adjudication de ce contrat. Madame Cheneau, tout le monde est d'accord? Alors, vous avez des questions?
moment-là, la levée d'assemblée, j'étais en révolution, je ne pouvais pas, voilà.